Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ses griffes et ses crocs, écrit par Mathieu Robin dans le cadre du Printemps du Livre de Grenoble. Ses griffes et ses crocs, c'est une histoire de 5 adolescents qui partent en week-end avec leurs parents à la montagne. Ces 5 enfants vont voir leurs parents disparaître au cours d'une randonnée et vont se retrouver livrés à eux-mêmes face à une sorte de bête mystérieuse qui rôde autour de leur maison. Donc Ses griffes et ses crocs, c'est une histoire qui jongle entre réalisme et fantastique. On ne sait jamais dans lequel on va se situer. C'est assez impressionnant dans le fait que ces enfants vont évoluer entre les deux et on va voir toute l'imagination que peuvent avoir l'enfance par rapport à des faits qui sont strictement réels. Et donc, on voit une progression dans leur façon de construire les choses, on les voit progresser d'enfant à adulte en passant de ce qui est fantastique à réaliste. L'écriture est très fluide, très rythmée, ce qui nous permet une lecture très facile. Donc si vous voulez lire un livre très intéressant et assez facile, je vous conseille Ses griffes et ses crocs.